Et bonjour, on vient de terminer, dans le dernier épisode, on a terminé le donjon 6. Et là, on va essayer de trouver le donjon 7. Et voilà. Donc, on est en train de fouiller la même zone qu'on était entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et c'est cela. Donc, on essaie de trouver les trésors. Et ça va très bien. On a une autre pièce de cœur. Une pièce de cœur. C'est tout à fait logique. J'ai trouvé une pièce de cœur. Ça. Voilà. Cette belle musique croquée en 8 bits. Bah, des bits. C'est toujours bizarre de ce mot-là en français. C'était une tentative minable de ramasser une bombe qui a disparu. Ok. On continue notre super aventure. Et oui. Alex s'en vient. Il revient. Non, pas long. Je parle à nos amis, je disais que tu t'en mets. Donc ici c'est un vendeur de potions. Ok. Donc là c'est de trouver l'entrée vers ce donjon. C'est un bombe, il n'est pas de Pégase. Un vendeur, bien sûr. Et on va vérifier dans votre monde. Ah! Quelque chose me dit que ça va être le même vendeur, par exemple. Oups. Eh oui, même vendeur. Il fallait juste fouiller dans les deux mondes. Ça arrive. Alors, ici, on a des statues louches. On va les pousser. Et j'ai pas été très fort là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as même drôle de bruit. Roche. Une clé. Ah ah. Et ça mène à de l'argent. 100$. Pas comme si on avait vraiment besoin. C'est mieux que rien. Puis il n'y a rien dans ce monde-là. Je suis un peu déçu. Mais bon. Il est en bord de l'écran. C'est autre chose ici. Ça, c'est ce que j'étais. Alors là, j'imagine que c'est un cul-de-sac. Non. On peut sortir ici. Peut-être le temple là-bas qu'on n'a pas visité, qu'Alex était allé avec des proches dans l'autre monde. Donc c'était ici peut-être. Bon, ça je comprends pas, mais ça devrait passer au-dessus de ma tête. Ici, je crois qu'il y avait une espèce de temple. On va aller voir ce que c'est dans Dark World. Parce qu'on n'était pas allé dans le Dark World non plus. Alex était mort en chemin. On profite pendant qu'Alex n'est pas là pour dire qu'il n'est pas si bon. Hein. Il n'est pas fameux, son jeu.
Il est juste à côté. Il regarde la ville consumée. Il vient de me menacer d'ailleurs. Appelez la police. S'il vous plaît. Je sais pas si je vais survivre à ce podcast. Ok. Alors, il semble y avoir un temple ici ou quelque chose. Ouais. En espérant que c'est pas un vendeur. Oh, mais je peux pas ramasser ton argent, je suis maxé. Et dans l'autre monde, qu'est-ce qu'on a? Sérieux? Bon, regarde. Oh, la première fois que je gagne, puis j'ai déjà maxé. Bon, ben, tant pis. Hein? Donc, vous saurez qu'il y a de l'argent caché là, puis c'est un gros détour pour aller chercher juste de l'argent. Puis c'est sûrement 100$, comme l'autre au-dessus, mais... je trouve ça bizarre de cacher deux gros temples ici, puis pas mettre de donjons dedans, puis mettre juste des 100$ au lieu des pièces de cœur. Il me semble que c'est plus... c'est plus satisfaisant de trouver des morceaux de cœur. C'est leur choix, hein? C'est le choix de ces développeurs. Tu as un mandrôleur RDS? Ouais. On casse des gueules. Peut-être des pneus. Aussi. Ok, ça c'est tout fait, donc au moins ce coin-là, il est éclairé. Ça, ça menait-tu à quelque part d'autre ou c'est un fils à qui je m'en vais pas? Cul-de-sac. C'est bien fait en grande partie, la map. Il y a quelques bouts que je comprends pas trop les choix d'avoir très segmenté ça au lieu d'avoir permis de créer des passages entre certaines zones. C'était pas si dur. Pauvre monsieur, il se permet sur lui. Il a... On va le faire en vitesse le donjon. Wow, yeah, moins 40, il était temps. J'espère notamment, là. Ouais. Ah, mais là, il y avait ça, il y avait un mini-jeu qu'on pouvait pas faire tantôt parce qu'on n'avait pas l'arc. Puis on avait été voir ici, ça c'est les toilettes à Alex. On n'avait pas été dans le Dark World. J'imagine qu'il n'y a pas plus de quoi. Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi qu'on n'a pas compris? Écrivez-nous dans les commentaires à quel point on est stupide d'avoir pas compris. S'il vous plaît. Parce que, ouais. Bon, direction le mini-jeu. Il y a un coffre là qui m'obsède, là, qui est comme au milieu. Je sais pas comment on fait pour aller chercher. C'est peut-être juste pour me faire chier en plus. Je vois pas du tout comment on peut. Wow! Prends Epona. Viens t'asseoir. Alors, il semble que Epona soit dans le London Range. On se rappelle que Epona, c'est le cheval de Link. C'est directé durant 3-4 générations. Ouais, c'est pas le même cheval, mais là, même un cheval au NES. Alors, on y va. Oh! Oh my! Ils ont fait un mini-jeu. Woo! Je tire des flèches. Je suis dans le Dark World. J'aurais dû y aller dans le Light World, ça serait plus facile. Yeah! Ils ont fait un mini-jeu! Ils ont programmé un mini-jeu quand même. Ben, ça fuck un peu là, mais quand même. Il y a un rien qu'un peu. Ben, à date, je suis bon là, non? C'est vraiment la musique du London Range. Elle est reconnaissable. Dans le fond, le 64, ça sonnait pas bien mieux qu'un Nintendo. Les musiques sont pas meilleures. Hey, sérieusement, elle est pareil. Bon, pas pareil, pareil, mais elle est proche. C'est pas mal bon. Ben, c'est pas très dur, mon dieu. Peut-être pas très dur, mais tu as des voix. Ils disparaissent tout le champ. Je sais pas. Tant qu'on les voit une fois sur le frame, donc. Thank you.
mis la finale, la musique. Même le tan 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 tan. Fait que j'ai eu 46 shots, ça m'a coûté 30 piastres, fait que j'ai fait 16 sous. C'est le jeu le plus rentable de l'histoire de Zelda. Wow! J'étais bon en plus, je crois. Là, t'es tutu. Ah, les chiens. Hey, sérieusement, je ne vois pas comment on peut aller sur le range. Je pense que c'est juste un troll, ce coffre-là. Non, non, il doit y avoir un moyen. Un troll. Un moyen. Troll. Peut-être essayer de te téléporter dans les deux dimensions. Ouais, mais on fera le tour en venant. Là. Je vais aller ici, dans le désert. Rien à faire dans le désert. Comment c'est, rien à faire dans le désert? On avait... Où est-ce qu'on avait ramassé la botte de Pégase? On va aller voir s'il y a de quoi... Puis t'avais tantôt la roche que tu pouvais pas passer, là, c'est un marteau. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas été chercher, hein, que ouais. Tu prends un marteau. Même, ouais. Même dans la ville principale où est-ce qu'on commence. Ouais. Marteau. Ici, voilà, marteau. Puis tu t'avais dit qu'à ce nombre de cœurs-là, on pourrait aller chercher la troisième épée, en plus. Ouais. En fait, on pourrait y aller super rapidement à partir d'ici chercher la troisième épée. À cause des waypoints. Puis revenir là. On est à côté d'un waypoint. Ah, au moins c'est bien pensé, il avait mis de quoi pour empêcher d'aller sur le cas. Voilà, un autre pièce de cœur. Donc on va essayer d'aller chercher l'épée avant d'aller dans le donjon. Ça serait vraiment agréable parce que avec une bonne épée. C'est agréable, c'est tout, il n'y a pas vraiment de punch. Donc ça, je vais accélérer ça, on court. Je trouve ça vraiment bizarre cette affaire. Hein? Tu cours, tu viens. Attention. Pam pam pam. Quand je vais revenir, je vais vous tuer d'un coup. Watchez-moi bien. Plus question de niaisage. C'est où l'épée? Ouais. Je suis pas mal certain. Il y a un endroit où ce que... qu'on n'a pas été en haut de sa montagne depuis tantôt. Hein. À côté du waypoint, justement, qui s'appelle un marteau. Toi, tu parles du... Ouais, complètement à droite de la map. Ok. Un peu de chance, s'il vous plaît. Il aurait pu fixer ça. C'est complètement bizarre comme. Bon, voilà. Ici, il y a un pont, puis dans l'autre, il n'y en a pas. Puis dans l'autre, il y a une grotte, puis dans l'autre, il n'y en a pas. C'est 4 cœurs. 4 cœurs, c'est la deuxième fois. En tout cas, c'est où? Je peux te l'envoyer chier, mon Dieu Christ. Bon. En plus, il est pareil que lui. Même pas. Attends, tant qu'elle est à côté de la ville. On va aller chercher, je sais pas c'est quoi, mais. Quand on est arrivé dans la ville, il y avait une petite bâtisse que dans l'autre monde, on avait trouvé la bouteille. Mm-hmm. Elle était entourée de roches, puis dans celle-là, elle était entourée de pics. Oh! Oh, sérieux? Il y a deux marchands de ça dans la ville, là. Come on, ça sert à rien. Ok, j'ai d'autres idées. Parce qu'on se rappelle que pour avoir l'épée, en tout cas, dans Zelda 1, ça dépendait vraiment du nombre de cœurs et nombre de Triforce. Peut-être qu'ils ont changé ça aussi, là, mais... Non, c'est 4 cœurs, la deuxième roche. 4? Ouais. Dis-moi 3, je vais être content. Non, c'est 4. 3, c'est ça. 4. Non, 3. C'est ça. Un jump inutile. Ok, puis dans l'autre dimension, il y avait un bloc qui nous bloquait tantôt. Ok. Oh, on n'a pas besoin d'argent, on veut des cœurs. Je sais pas si c'est le nom. C'est vrai, on n'a jamais exploré la plage. Jamais. On va y aller. On va prendre le premier atout.
C'est sûr que 3 cœurs c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Je serais tenté d'essayer quand même. Fait que ça nous prendrait 4 autres cœurs de cœur. Mais il y en a sûrement partout en fait. Tu peux faire un autre château. Ouais, je sais, c'est ce que le but c'était de l'avoir avant le château. Ah, là. À date, il n'y a pas grand quart de cœur dans les grottes. Ouais. Tant de l'argent. Il essaie de passer une réflexion, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais il était encore sur mon lag de ça. Tu vois, il manque pas d'argent. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de vendeur qui vend des cœurs de cœur. Non. Ça. Ah! Connard! Dans l'autre dimension aussi? S'il me fait ça encore, je vais être fâché. Ah, au moins. C'est rien. Non. Parce qu'il va juste trouver.